Il faut être dynamique dans la vie, agressif. Il faut forcer sa chance. Ouf, je pourrais jamais. Monsieur, 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 avec un peu d'imagination. Tiens, par exemple, c'est bien connu, n'est-ce pas, que quand tu passes sous une échelle, ça attire la malchance. Oui, oui, alors. Bon, alors suppose, n'est-ce pas, que tu es dans la rue, tu te promènes, tout à coup, tu vois une échelle. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, suppose une vraie, une grande échelle. D'accord, d'accord. Une grande échelle en travers du trottoir. D'accord, d'accord. Une grande échelle debout en travers du trottoir avec quelqu'un dessus, là. D'accord, d'accord, t'énerve pas. Là, il y avait un peu de machination, hein? Oui, oui. Seulement, tu te fiches du peintre qui était là-haut, hein, qui se débrouille. Peut-être il est patient, Goblet. Peut-être aussi qu'il n'a pas le sens de l'humour. C'est pas bon. Quoi faire, quoi faire? Je l'ai. Là, j'ai mis très beaucoup de machination. Mais malheureux, tu peux pas faire ça. Déranger le peintre passe encore, mais ruiner l'œuvre de l'artiste. Oh, je comprends pas. Essaye encore, tu vas voir. D'accord, d'accord. Oh, pauvre petit moi. Pauvre sol, t'as vraiment pas de chance, hein?